faut que je me présente. Maurice Dubourg, artisan à Viscontact, coutelier. Bon, j'ai toujours exercé cette profession. Moi, j'ai commencé à l'âge de 17 ans avec mes parents. Et puis après, j'ai eu des responsabilités très tôt parce que ma mère est décédée très jeune. Puis mon père a pris la retraite juste après. C'est moi qui ai dirigé l'entreprise, quoi. On a été jusqu'à 5 personnes dedans, mais c'était assez restreint quoi, comme local. Hein. Avec mes parents, bon, c'était surtout de la fabrication un peu plus industrielle que maintenant. Là, il y a une vingtaine d'années, là, une trentaine d'années même, on s'est spécialisé un peu dans le couteau pliant et puis le couteau haut de gamme. Quoi. Mais avant, c'était surtout un peu la grande série, quoi, parce qu'on avait des représentants qui visitaient les différentes boutiques dans toute la France. Donc à l'époque, il fallait vraiment de la marchandise. Quoi. Alors on produisait. Quoi. Il y a des quincailleries, tous les gens vendaient du couteau. Quoi. Et bon, après, ça s'est un peu tassé. Hein. On a dit on va essayer de faire quelque chose de plus intéressant pour nous. Et puis c'est-à-dire, on produit maintenant, on vend nous-mêmes notre production. Quoi. Donc, c'est surtout en couteau pliant, en couteau de table, bien sûr. Mais donc, c'est le couteau le tir qui nous a un peu relancé. Bon, on avait toujours fait du laguiole, mais ça nous a fait vivre quelques bonnes années. Mais c'est surtout le tir après qui nous a reboosté. Quoi. Moi, j'étais pas à l'origine de la création du couteau, mais un an après, en définitive, je suis rentré à la confrérie. Quoi. C'est Gérard Artaud qui m'avait intronisé, c'est un ami d'enfance. Hein. Passe dehors. Hein. Alors ça, on sert beaucoup des backstands pour façonner. Quoi. Je façonne dans la partie souple, moi là, on commence avec un grain assez gros, et puis après on finit beaucoup plus fin, et puis après on fait briller. Bon, ça c'est des ressorts de tir, faut que j'ai polissé l'intérieur, mais avant j'ai fait le guillochage avant de les faire tremper. Quoi. Le guillochage, c'est de faire les petits motifs sur les dos des ressorts. Bon, là, il y a une palette sur ceux-là. Alors, après, je ne sais pas ce que je vais faire dessus. J'ai fait faire une gravure. Au temps de mes parents, on avait des VRP, c'est-à-dire des multicartes, quoi, qui voyageaient sur toute la France, jusqu'à 5. Mais ils prenaient la majorité de nos modèles, et puis eux, ils vendaient, on recevait les commandes et tout. Moi, j'avais toutes les figures de tir, Lescure, Tim, Bourgade, Clébon qui est à la confrérie. Et puis, on travaillait comme ça, mais on ne bougeait pas. Alors que maintenant, on diffuse nous-mêmes nos produits. Soit par des boutiques qui nous prennent notre marchandise ou on les vend nous-mêmes au détail. Quoi. Et là, maintenant, on travaille surtout nous avec des salons de métiers d'art. Puis, je fais partie des ateliers d'art de France. Des expos qui durent un week-end. Là, je fais encore quelques foires, mais pas beaucoup. J'en fais 3-4 dans l'année, c'est tout. Hein. Travailler les bennes, l'ivoire, la nacre, tous ces matériaux. Il y a un beefsteak là, ça coupait, hein. Forgé là à l'époque. Regarde, c'était pas découpé. Là. Quand ça s'en allait, c'était épais, ça allait à 5600 là. Quand c'était 3, bon, quand on était pressé, on regardait pas si la marque était du bon côté ou pas, mais enfin bon, là, tant qu'à faire, à les mettre dans le même sens. Quoi. Mon couche. Tenue de confrérie.